qu'est-ce qu'il dit en fait ici? Entoure les fractions qui sont supérieures à 1. Si qu'est-ce que ça veut dire supérieur à 1? C'est-à-dire plus grand que 1. D'accord? Et là, comment je peux faire ça? Si le numérateur est plus grand que le dénominateur, donc il est plus grand que 1. Par exemple, ici, j'ai ici, par exemple, je prends ici 8 sur 9. Donc 8, elle est plus petite que 9. Donc là, c'est inférieur à 1. Si je prends par exemple ici 4 sur 3. Si je prends 4 sur 3, 4, c'est plus grand que 3. Et donc, il est supérieur à 1. Donc, vous allez faire ici qui sont supérieurs à 1. Essayez de les entourer. Je donne par exemple ici, entoure en fait ici, il a dit en fait faire des ronds. Donc, j'ai ici 16 plus grand que 16 plus grand que 4. Donc, je mets ici 1. 3 plus grand que 2, c'est juste. 5 plus grand que 3, c'est juste. Là, c'est pas juste. Et donc, etc., etc. Essayez de faire ça dans vos cahiers. Donc là, c'est à faire en fait ici dans les exercices exo. Donc, essayez de faire ça. Puis après, j'ai ici qu'est-ce qu'il y a. Donc, c'est inférieur. Complète les fractions suivantes pour qu'elles soient inférieures à 1. C'est-à-dire inférieures à 1. Exemple ici, pour faire ça, c'est inférieur. Lorsque ça, inférieur à ça. Donc, lorsque le numérateur, il est inférieur au dénominateur. Par exemple, pour avoir un nombre qui est inférieur à 1, je ne dois pas mettre ici 4. Je dois mettre ici, par exemple, 3 ou bien 2. 2, c'est inférieur à 1. Si j'ai ici 4, je dois mettre quelque chose qui est plus grand que 4. Par exemple, ici 6. Si j'ai ici 6, je dois mettre quelque chose de plus grand que 6. C'est-à-dire combien est plus grand que 6? Je prends ici 9, par exemple. 9. Et là, j'ai ici 9. Qu'est-ce que je dois prendre ici? Je dois prendre, par exemple, 2. Et si j'ai ici 6, je peux prendre quelque chose qui est inférieur à 6. Et donc là, je prends par exemple 5. Inférieur à 3, je prends par exemple ici 1, un tiers. Et donc tout ça, donc, c'est inférieur à 1. Essayez de refaire, réécrire en fait si ça dans vos cahiers d'exercice. Hein, donc, dans le cahier d'exercice. Et donc parmi les fractions suivantes, entoure celle que représente un nombre entier, c'est-à-dire un nombre entier. Qu'est-ce que ça veut dire un nombre entier? C'est-à-dire 1, ou bien 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc, vous voyez là, là, je ne peux pas. Donc, je ne peux pas faire. Mais j'ai ici 6. 6 sur 2, à quoi t'égale 6 sur 2? Et donc, si je divise 6 par 2, je fais 6 égale à 3. D'accord? 6 divisé par 2 est égal à 3 parce que 6 est égal à 2 fois 3. Et donc là, je peux, il a dit en fait ici, entoure, donc je fais mettre des ronds. Ça, je ne peux pas faire. Alors que si 12, 12 sur 4 est égal à 3. Et donc là, je peux entourer 12. 17, je ne peux pas le faire. 18, je ne peux pas le faire. 6 sur 18. Je ne peux pas le faire aussi. 6 sur 3, donc là, vous voyez là, c'est 6 sur 3. Et donc ici, 6 sur 3 est égal à 2. Donc là, je peux l'entourer. 21 sur 7, je peux l'entourer ici. Donc je dois entourer ça, ça, ça et ça. Donc c'est la réponse en fait ici pour cet exercice. Hein. Donc essayez de refaire ça dans vos cahiers. Ça, c'est refaire. Refaire dans vos cahiers. Exo. D'accord? Dans les cahiers d'exercice, donc essayez de refaire ça.